Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, bien-aimés, chers amis, bonjour, bon matin et bon réveil. Nous rendons grâce et gloire à l'Éternel, notre Père et notre Dieu, qui a veillé sur nous pendant les heures de la nuit et qui nous a réveillés ce matin. Le Seigneur a opéré à notre endroit le miracle du réveil. Nous sommes là en pleine forme pour jouir encore les grâces du Seigneur, pour respirer l'air du Seigneur. Pour déguster les mains du Seigneur, tout ce que nous avons en réalité, l'eau, la nourriture, le vent, l'air, la vie, toutes ces choses appartiennent à Dieu. Donc à vous-même qui m'atteint, qui est là pour capable vivre ce temps dans la prière, dans la dévotion, nous avons grand plaisir. Capable de saluer vous dans le nom de Jésus-Christ et pour nous capable de dire bon matin et bon réveil. Nous prier que le moment soit capable pour un moment béni, que le temps soit capable pour un temps de paix, un temps de joie dans le nom de Jésus. Donc, fait que vous content et matin, nous avons pile terrain pour nous capable de couvrir, puis matériel pour nous capable de couvrir. Donc, en nous rentrant directement dans la prière pour que nous capables de gagner au bon petit temps pour nous capable rentrer dans bagaille ça en nous la prière. Remercie sois-tu éternel notre Père et notre Dieu, créateur du ciel, maître de la terre, de faveur et grâce qu'on accorde nous pour être capable de retrouver nous en ta présence. Merci pour ce que tu es le Dieu qui ne nous laisse pas, qui ne nous abandonne pas. Dans les moments les plus difficiles de la vie, tu viens nous rencontrer pour nous dire que tu es là, que tu veux notre bien. N'apprends pas pardon pour ce que nous avons fait de mal à tes yeux. Nous reconnaissons pécheurs, nous fait bagaille qui mal, nous fait bagaille qui sale, mais nous connaît aussi bon Dieu qui fait grâce, qui pardonne la rébellion, l'iniquité, le péché, et que ce matin encore, tu es disposé à nous pardonner dans la mesure où nous confessons nos péchés, et dans la mesure où nous repentions. Mandeau, t'en prie, dans la mesure où nous nous repentons, Mandeau, t'en prie, pour capable et vini, viens par l'Esprit, viens par ton Saint-Esprit nous aider, et viens par ton Saint-Esprit nous révéler le mal qui est en nous, et ainsi Père très saint, n'ap capable comprendre, n'ap capable apprendre, n'ap capable mettre nous dans l'état d'esprit pour nous faire examen conscience, ça et le Saint-Esprit va révéler nous les choses que nous avons confessées, pour que nous capables libérer, délivrer, progresser au nom de Jésus. Merci pour la parole qui dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les délaisse et les avoue obtient miséricorde. » Fais-nous la grâce au Dieu pour nous capables de comprendre la valeur de ces choses, de ces principes spirituels et bibliques, et ainsi en les appliquant, nous allons joindre le chemin de la vie. Merci pour Jésus qui est mort à la croix et en lui nous avons l'espérance de la vie éternelle. En lui nous sommes sauvés. Et bien, fais-nous cette grâce de rester dans ce salut. La grâce de rester attaché à toi. Je prie pour les chrétiens du monde entier, mes frères, mes sœurs, partout où ils se trouvent, ceux-là qui vivent dans des situations difficiles, dans des milieux hostiles à l'Évangile. Maintenant, je t'en prie que vous êtes capable de visiter, encourager au papa, pas quitter au seul, pas quitter au abandonné, pas quitter au faibli, mais que dans ta grâce, tu les encourages, que dans ta grâce, tu les bénisses, qu'on rappelle au la gloire et l'espérance auxquelles ils sont appelés. Fais-nous passer une bonne journée, Julien, dans mon Seigneur. Prends Julien pour nous. Et prends la vigne, Seigneur Jésus. Nous voulons consacrer le barreau. Méditez avec nous. Fais-nous du bien. Nous prions consacrer avec pas de péché, nous, dans le nom de Jésus, qui vit et demeure au siècle des siècles. Amen. Amen. Au combat de la vie conscrit, le Seigneur nous convie, soldats seront nos rangs. Qu'au divin capitaine, notre cœur soit uni. La victoire est certaine, sous son drapeau béni. La croix et sa bannière, son beau nom est Jésus. Des armes de lumière, il revêt ses élus.
son esprit les enflamme, au plus fort des combats, son âme est dans leur âme, sa force est dans leurs bras. Jeunesse ardente et fière, jeunesse au cœur vaillant, donne-toi tout entière au Sauveur Tout-Puissant. Soumise à sa loi pure, tu mettras sous tes pieds tes péchés, ta souillure par sa mort expiée. Par sa grâce infinie, il guérit. Il rira tes maux, et la lutte finie après bien des travaux. Sur ton front qui rayonne d'espoir et de clarté, il mettra la couronne de l'immortalité. À toi, mon Dieu, je me donne tout entier. Ton amour est ma couronne, ta force est mon bouclier. Je te donne mes journées, mes succès ou mes revers. Et je te donne mes années, mes printemps et mes hivers. Mes désirs avec leur flamme que tu peux seul apaiser. Et les rêves de mon âme que tu veux réaliser. Toutes les fleurs de ma route, viens les cueillir de ta main. Et tous mes pleurs goutte après goutte, les recueillir dans ton sein. Dans la joie ou la souffrance, je veux te suivre en tout lieu et toute ma vie à l'avance, je te la porte, mon Dieu, oh, toute ma vie à l'avance, je te la porte, oh mon Dieu. Il faut, grand Dieu, que de mon cœur la sainte ardeur te glorifie. Qu'à toi d'aimer et de la voix devant les rois, je salmodie. J'irai t'adorer, ô mon Dieu, en ton seul lieu d'un nouveau zèle. Je chanterai ta vérité et ta bonté toujours fidèle. Ton nom est célèbre à jamais par les effets de tes paroles. Quand je t'invoque, que tu m'entends. Quand il est temps, tu me consoles. Tous les rois viendront à tes pieds, humiliés, prier
sans cesse. Sitôt qu'ils auront une foi où la voix de ta promesse, ils rempliront par leur concert tout l'univers de tes louanges. Les peuples qui les entendront admireront tes faits étranges. Ô grand Dieu qui de tes hauts cieux dans ces bas-lieux vois toutes choses, quoique tu sembles être loin, c'est sur ton soin que tout repose. Si mon cœur dans l'adversité est agité, ta main l'appuie. C'est ton bras qui sauve des mains, des inhumains, ma triste vie. Quand, oh, quand je suis le plus abattu, c'est ta vertu qui me relève. Ce qu'il t'a plu de commencer sans se lasser, ta main l'achève. Quand je suis le plus abattu, c'est ta vertu qui me relève. Ce qui t'a plu de commencer sans se lasser, ta main l'achève. Ève. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons, nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses pavés avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur notre journée. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur notre journée.
nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit, nous t'invitons. Nous bénissons Éternel, notre Père et notre Dieu, Créateur du ciel, Seigneur de la terre, parce que vous faites nous grâce matin pour nous en présence ou encore, t'en prie, aidez-nous, nous capables, conscients de ce que tu es pour nous, de ta présence dans nos vies, des grâces et des bénédictions que tu nous apportes, et ainsi de cette relation, de cette communion, de cette union. Nous sommes capables non seulement bénis, mais en mesure de devenir des canaux de grâce, des canaux de la bénédiction de Dieu. Alors, ce que nous allons enseigner, nous demandons qu'il soit capable ensemble avec nous, avec nos frères et sœurs qui vont recevoir cette instruction, permettre qu'ils soient capables de joindre en eux-mêmes des terres fertiles, côté que parole est capable de grandir. Fais-nous du bien, car nous comptons sur toi. Reste avec nous, fais-nous la grâce de passer une bonne journée, Seigneur. Nous sommes à toi. Sauve-nous, en Jésus, nous te prions pour sa seule gloire. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. C'est Jésus. Quand je chancelle seul en mon chemin. Alléluia. Bien-aimé, nous avons pile terrain pour nous couvrir ma terre. Nous avons pile terrain pour nous couvrir ma terre. Donc, m'a encouragé ou préparé ou mettre à disposition pour ça rapidement. Pendant que nous allons essayer étudier la parole de Dieu, nous avons pile terrain pour nous couvrir ma terre. Ben, moi, comment on va faire ça rapide. Pour que nous capables de rentrer et pour nous capables de rentrer dans les choses de Dieu. Bagaille qui est capable d'aider où juste avant nous gagner et ça pour nous partager ensemble avec au moins espérer que ou pas bouquer lit la parole de Dieu gagne dans nous qui avancer même prier gagne dans nous qui continuer kembe routine lecture parole de Dieu à ça pour nous ça aider nous nous sommes déjà je dis à mes amis moi cela est allé jeudi en guetant et hi quoi je dis pas 20 oui je dis à guetant 20 mars et lecture nous gain pour jeudi à c'est juge 8 et 9 demain si Dieu veut 21 nous gain juge 10 à 12 et pour vendredi et qui a 22 nous gain juge 13 à 15. Donc, pas oublier, non, je dis, non, c'est juge 8 et 9, demain juge 10 à 12, et pour vendredi, c'est juge 13 à 15, et samedi, on a bien juge 16 à 18, et dimanche, si Dieu veut, juge 19 à 21. Et à partir de lundi, si Dieu veut, on a rentré dans le livre de Ruth. À partir de dimanche, si Dieu veut, on a rentré dans le livre de Ruth, donc fait plein. Pour capable et eh bien lire la Bible et ça va permettre pour capable grandir dans bonheur qui pas jamais fini Jésus monté préparé pas vrai c'est ça et bien on nous rentre rapidement sans que nous pas prendre trop de temps on nous rentre rapidement aïe. Ça nous va prendre temps, on nous rentre rapidement. Je dis à l'heure pile terrain à couvrir.
t'en ouais comment on a fait ça là. Papa, nous qui dans le ciel là, nous prenons l'enseigner, s'il te plaît. Aide-nous avec grâce, ou fais-nous en pile bien. Dans nos Jésus, nous prions pour ta gloire. Amen, amen, amen. C'est bon pour la santé. Petite de l'eau chaude le matin avec aussi du citron. Ça, c'est bon pour la santé. Et hier, nous t'ai parlé de la repentance et de la confession, placée dans la vie chrétienne. Nous avons commencé à introduire à l'idée de l'examen de conscience et comment on est capable de faire ça à partir des textes bibliques et qui bénéficient sa capacité dans la vie. Donc, je dis, hein, comme c'était annoncé, moi, espérer qu'il y ait une fourniture classique ou une fourniture spirituelle. Donc, je vais montrer comment pour monter au tel ou je dis hein, rapidement. Je vais faire prière sous l'huile d'onction yo et puis m'a tout fait ou moins hôtel ou dédié hôtel ou pour capable et bien préparé pour la guerre spirituelle qui a commencé. Donc cette semaine c'est une semaine de conditionnement comme nous t'ai dit, il est important pour que nous capables enseigner ces choses afin que par la grâce de Dieu lorsque samedi arrivé pour nous capables d'être prêt dans disposition dans état d'esprit pour rentrer normalement dans les prières dans la guerre spirituelle au nom de Jésus de Nazareth. Nous pensons que nous ensemble, nous capables d'avancer. Ok? Papa, t'en prie. Permette que frère nous comprenne l'enseignement. Ça, dans Jésus, nous prions. Ta gloire. Amen. Maintenant, il est impossible, il est difficile pour nous de rentrer dans la guerre spirituelle, pour sortir victorieux, pour gagner des résultats, si ou pas comprendre le principe de l'autel. Il est difficile. Pour mon rentrer dans la guerre spirituelle, pour gagner des résultats si ou pas comprendre le principe de l'autel. Pour qui raison me dit ça? C'est parce que la guerre spirituelle, dans sa substance, dans sa nature et dans son essence, c'est une guerre des autels. Écris ça pour moi. La guerre spirituelle, c'est la guerre des autels. Donc, on a besoin, ça relie un autel de prière. Moi, je me définis ça pour me dire que et la guerre spirituelle, c'est la réalité qui existe. Entités, des forces spirituelles qui s'attaquent entre elles et qui s'attaquent à nous, c'est-à-dire qui s'attaquent aux humains. Mais il est important aussi pour comprendre que dans cette guerre spirituelle, dans cette guerre d'entité, il est important pour comprendre que il y a des humains aussi qui peuvent s'attaquer à nous et ceci de façon mystique. Pas vrai, de façon mystique, il y a des gens qui ont des bagailles pour faire, qui ont des bagailles pour dire, qui sont capables d'attaquer nous, qui sont capables d'atteindre nous. Et ou même, on a besoin de connaître comment pour camper dans la guerre spirituelle, on a besoin de connaître comment pour capable lutter spirituellement, pour qu'on soit capable eh bien, qu'il y ait le dessus et sortir de ces situations victorieuses au nom de Jésus de Nazareth. Donc, on va parler rapidement. Hôtel. Qui ça yon hôtelier? Qui ça hôtelier? Yon hôtel, bon m'dil en anglais, après ça m'dil en français, yon an altar is any structure upon which offerings such as sacrifices are made for religious purposes. Donc yon hôtel, c'est yon structure, c'est yon meuble, c'est yon table, c'est yon surface généralement, sous les mêmes, on dépose des offrandes à une divinité. Donc, pas oublier que un hôtel gien droit n'importe bagaille, il gien droit en table, il gien droit en chaise, il gien droit yon wash, il gien droit et il gien droit même yon pied bois dépendamment du type d'hôtel que moun nan veut faire. Mais on a besoin de comprendre si un espace de si un espace côté au monde offre des sacrifices à une divinité, c'est un lieu de communion, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu et d'intimité, un hôtel en réalité, et c'est un lieu de rencontre entre un humain et un esprit. Donc c'est une porte, si vous êtes capable de dire comme ça, un hôtel c'est une porte qui est ouverte sur le monde spirituel. Donc quand quelqu'un veut rentrer en contact avec le monde spirituel, le monde des esprits, il a bagaille, il a besoin de faire, il a besoin de dresser un hôtel. Le principe de l'hôtel, nous venons tout au début de la Bible. Et en fait, lorsque la Bible dit, et ceci de façon implicite, j'aimerais l'expliquer là, parce que le mot hôtel
n'apparaît pas à Genèse chapitre 4, bien que l'idée est là, mais à Genèse chapitre 4, on est capable de sentir de façon implicite la réalité de l'autel. Parce que la Bible dit, et la Bible dit à Genèse chapitre 4, et à partir du verset 1er, il dit, à partir du verset 3, il dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Il est vrai ici, donc le mot autel n'apparaît pas, mais l'idée est là, parce qu'il est question de sacrifice, il est question d'offrande, et il ne peut pas parler d'offrande, il ne peut pas parler de sacrifice. Donc, important pour capable comprendre l'idée d'autel. Donc, l'idée pourrait apparaître de façon explicite, c'est-à-dire le mot pour la première fois, le mot hébreu misbeach, ce qui signifie autel, lieu de sacrifice, place of slaughter, il pourrait apparaître pour la première fois, eh bien, à Genèse chapitre 8, à Genèse chapitre 8, verset 20, à nous aller rapidement, à Genèse chapitre 8, verset 20, donc l'idée pourrait apparaître pour la première fois, et la parole de Dieu nous dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Donc, au capable, clairement, donc un autel est un lieu où l'on offre des holocaustes, où l'on offre des sacrifices. Et là, il est clair dans le texte de Genèse chapitre 8, verset 20. Les grands patriarches, les grands hommes de Dieu, avaient tous l'habitude de bâtir des autels. Nous joignons Abraham à Genèse chapitre 12, verset 7, Genèse chapitre 13, verset 4 et Genèse 22, verset 9, qui avait l'habitude de bâtir des autels. Nous joignons Isaac à Genèse chapitre 26, et verset 25. Nous joignons Jacob à Genèse chapitre 33, verset 20. Nous joignons Moïse à Exode 17, verset 15. Donc, tous ces grands hommes de Dieu, ces grands maîtres spirituels, ces grands héros de la foi, avaient l'habitude de bâtir des autels. Donc, c'est une porte ouverte sur le monde spirituel et généralement, quand ils arrivent quelque part, avant même de dresser leur tente, yon nan bagay yo fait, yo bâti yon autel. Maintenant, à Exode chapitre 20, verset 22 à 24, bon Dieu pral dit de façon claire qui ça yo doué fait lorsque il avait besoin de rentrer en contact dans sa mabel. On allait rapidement dans Exode chapitre 20, verset 22 à 24. Sorry, dans Genèse chapitre 20, Genèse chapitre 20, verset 22 à 24, il est dit, l'Éternel dit à Moïse, tu parleras aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Ça, c'est Dieu qui parle à Genèse chapitre 20. Il dit, vous avez vu comment, vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Pardon. Vous ne vous ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Ouais, mais c'est ça. Si on a un verset qui est important dans la Bible, et si on a un verset qui a aidé contre l'idolâtrie pour ne pas tomber, et n'en soit pas de tomber. Verset ça. Prends-en pour lire, pour écrire, pour noter. C'est Exode chapitre 20. Verset 22 à continuer. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. C'est-à-dire, pas mettre dans l'esprit où qu'on est capable de faire un objet. Pas maintenant l'esprit qu'on est capable de faire une représentation pour dire ça c'est Dieu ou ça représente Dieu. This is not the way it works. C'est pas ici la façon avec moi. Bon Dieu clair, c'est pas comme ça va fonctionner avec moi. Maintenant, l'important pour comprendre ça, Samdou là, si on connaît un peu de spiritualité, parce que j'étais en classe avec une dame qui était très fond dans la spiritualité hindoue et dame Nabdim, wall que statuette yo joué pour l'Ilidim lorsque le besoin relé en esprit. Les relé esprit a et esprit a descend dans statue a et c'est de là le parler avec esprit a. Attention, frères et sœurs, nous sommes sur un terrain sérieux.
On a besoin de comprendre que derrière toute statue, attendez bien, on a besoin de comprendre que derrière toute statue, il y a un esprit. Ça doit être clair dans l'esprit. Derrière toute statue, derrière toute peinture sacrée, il y a un esprit. Donc, pas penser que ou gon statue Saint-Joseph, c'est juste son statue Saint-Joseph. Ou gon peinture Saint-Joseph, c'est juste son peinture Saint-Joseph. Ou gon peinture Saint-Pierre, c'est juste son peinture Saint-Pierre. Attention, ou a besoin qu'on ait que dès toute statue, il y a un esprit. Et ces esprits, t'as bien, ces esprits ont leur correspondant dans le vaudou haïtien. Ça doit être clair, ça doit être clair dans tête. Ça doit être clair dans tête. OK? Ces esprits-là ont leur correspondant dans le vaudou haïtien et dans d'autres spiritualités aussi. Donc, lorsque Dieu nous dit des choses, il le dit de façon pour que pour capable éviter nous pour nous tomber dans l'idolâtrie. Donc, pas une histoire pour faire un statut pour dire ça représente Dieu, ça représente Jésus. Il est clair. Lis encore. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne vous ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Mais l'Éternel dit, mais sous besoin de parler avec. Amen, 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 amen. Sous les rencontrer, mais qui ça va faire? Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras les holocaustes et sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Et plutôt dit, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Voilà comment ça fonctionne. Voilà comment ça fonctionne avec Dieu. Voilà le protocole selon Dieu. Ce n'est pas un protocole d'image, ce n'est pas un protocole de peinture, ce n'est pas un protocole de statue, c'est un protocole d'hôtel. Écris ça pour moi, hôtel. Yes, écris ça pour moi. Donc, pas oublier ça, Mdoula, derrière chaque peinture, derrière chaque statue, il y a un esprit. Et la réalité est aussi vraie, derrière chaque hôtel, il y a un esprit. Derrière chaque hôtel, lorsque Malka au monde, et puis, moi, ouais, il y a un hôtel, et ces réalités existent, peut-être qu'il y en a nous pas qu'on est, ou pas être comme on ou un gros, et ou bien ouais, un gros statue Bouddha, pas vrai, et plutôt en bal, il y a des bougies, en Bali, il y a des objets, ou il y a paraître, et en côté, ou un statue Krishna, une divinité hindoue, ou il y a paraître en côté, ou un statue Marie, pas juste penser son bagage ordinaire, son hôtel lié, son hôtel lié, son hôtel lié. Yes, c'est un hôtel. C'est un hôtel. Et si, ou curieux, ou allemand des mounes qui s'allient, l'abdou que ça son hôtel, si son monde qui généralement, si mounes comme ça l'a fait, l'abdou ça son hôtel. Et derrière, bon, dis encore, derrière chaque hôtel, il y a un esprit. Ça doit être clair dans la tête. Et donc, quel est le principe ça dans l'esprit? Maintenant, si vous comprenez ça, me dit là, vous pouvez comprendre qu'il y a des hôtels, et qui ça pourrait faire vraiment la différence entre les hôtels? En fait, dans un premier temps, on pral capable de faire différence là à partir de Jean hôtel l'a fait déjà un hôtel qui dédié à Dieu le Dieu créateur au pape une image sous déjà dit nous ça m'expliquer nous ça et plus d'une fois et éviter image pas même photo Jésus pas mettre sous hôtel non et des images qui t'a des représentations de Dieu gen monde qui gen sous hôtel yo et bien photo archange Michel et ou Michael attention il faut éviter ces choses pas vrai donc dans un hôtel chrétien ou ap joine et conseil le bagage coupable joine conseil le bagage coupable joine maintenant bon avant de rentrer dans hôtel chrétien et bon dis-nous rapidement que la que dans le sanctuaire terrestre, tu as deux hôtels. Pour moi, qui t'ai songé, j'ai fait étude sur le sanctuaire, tu as deux hôtels dans le sanctuaire terrestre. Il y avait l'hôtel des holocaustes que nous joignons
et map tout côté me joindre ça rapidement. Il y avait l'hôtel des holocaustes, pas vrai? Et c'est ça. Il y avait l'hôtel des holocaustes que nous joignons à Exode chapitre 27 verset 1 à 8. Donc l'hôtel des holocaustes se trouvait juste et juste après l'entrée dans le sanctuaire. On va songer que le sanctuaire avait trois compartiments. Il y avait le parvis, qu'on appelle aussi la cour. Il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. Dans le parvis, c'est-à-dire dans la cour, premier bagage qu'on rencontrait, une fois qu'on passait, traversé porte-là, on rencontrait l'hôtel des holocaustes. C'est pas vrai, l'hôtel des holocaustes, c'est là qu'on offrait à Dieu des offrandes, c'est là qu'on offrait à Dieu des holocaustes, des sacrifices totalement consumé, complètement consumé par le feu. Donc, c'est la graisse des béliers et des boucs. Donc, c'est là où tu offris ces choses à l'Éternel. OK? Maintenant, dans le lieu saint, tu as un autre hôtel. Hôtel, ça, où je viens dans Exode chapitre 20, verset 1 à 10, tu as relié hôtel, ça, l'hôtel des parfums. L'hôtel des parfums. Et c'est là qu'on offrait des parfums qui, en fait, Bible après le parler, qui après expliquer que c'était la prière des saints. Donc, c'est là qu'on offrait et des parfums à l'Éternel. Donc, hôtel n'a pas lié à là, l'état plus ressemblance ou bien l'état plus correspondant avec hôtel parfum, hein, parce que c'est un espace et côté nous offrir des prières, côté nous présenter, c'est ça qu'on entendait, on parlait de hôtel de prière. C'est un lieu où l'on prie, c'est un lieu où et son base opérationnelle. Donc, généralement, si on fait dans l'hôtel, ça, c'est prier. Généralement, il y a l'autre bagage qui a montré nous pour nous faire sur l'hôtel, ça, ah, ça, c'est pral, ça, c'est pral, ça, ça, allons l'autre dimension. Ça, allons l'autre dimension. Il y a l'autre bagage qui a fait sur l'hôtel, ça, papa. Attention, attention, attention. Il y a cause, malheureusement, c'est pas tout le bagage qui est capable de nous en bas là. Mais il y a bagage qui est capable de faire aussi à partir de l'hôtel de prière que nous avons. Et peut-être pas dans l'espace, mais dans l'espace qui peut contrôler. L'autre bagage qu'on a besoin de comprendre rapidement, on a besoin de comprendre que et même gens qui ont un hôtel que on monde capable et dédié, consacré à l'Éternel, c'est qu'on sait tout, il y a des hôtels démoniaques. Yes, il y a des hôtels démoniaques. Il y a des evil altars, des lieux où l'on offre des sacrifices à des divinités. Cela a existé dans le temps et cela existe encore aujourd'hui. Il y a un monde qui a un hôtel et à partir de hôtel, ça le frappe. Yes. À partir de hôtel, ça l'opère. Et ou même, en tant que petit bon Dieu, on prend le besoin de rentrer dans la guerre des hôtels. Pendant que même il a frappé dans l'hôtel, ou même on prend le besoin d'apprendre comment pour frapper dans l'hôtel. Et en fait, il y a un premier côté où capable de jouer un hôtel qui là pour capable frapper, attaquer petit bon Dieu. Tandis bien, oui. Il y a un côté où jouer l'existence des hôtels qui là pour capable prononcer des malédictions, pour attaquer, pour frapper. Il y a un côté où jouer ça, dans le livre des Nombres. À Nombres 23, frères et sœurs, Gagnon et Balaam avaient compris le concept de l'hôtel. À Nombres 23 et Nombres 22, depuis dans Nombres 21, il y a un peuple qui sort de l'Égypte. Et Moab voit ce peuple. Moab voit le potentiel qui est caché dans ce peuple. Moab voit l'avenir de ce peuple. Et le roi de Moab, Balak fit appeler Balaam. Ben, montre ça rapide pour capable comprendre réalité hôtel ça et pour qui raison ou même ou a besoin hôtel pas parce qu'il y a des hôtels qui parlent contre toi. Yes, il y a hôtel qui parlent contre eux-mêmes. Maintenant, bon, les pour rapidement à partir de Nombres chapitre 22, qu'est-ce qui est dit là? Il est dit les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Verset 2. Balak, fils de Sippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Maintenant, Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Sippor. Balak, fils de Tippor, était alors roi de Moab. Tandis ça dit dans verset 5. Il envoya des messagers auprès de Balaam,
fils de Béor à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple. Tandis, oui, afin de l'appeler et de lui dire, voici, mais quoi, c'est, oui, voici, un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Vini, maudis peuple ça, parce que le pif faut passer. Et qui ça, au songe histoire, lorsque, après Goumé, l'Éternel pral finalement quitter Balaam parti, lorsque Balaam rivé, premier bagaille pral fait, pour le capable commencer le processus de malédiction, pour le capable maudit peuple là, lui monter en hôtel. Attention. Premier bagaille pral fait, lui monter en hôtel. Yes. Et c'est à partir de hôtel ça, que l'Ipral fait appel à esprit, dans ce cas c'est l'esprit de Dieu, l'Ipral fait appel à esprit, et esprit des hôtels là, c'est l'Ipral fait des cas. Le causer dans l'évangile. Et on moun, ou gen dans la vie, ou gadou ou maudit, ou gadou ou bloqué, a faut pas qu'à marcher ou marrer. Il y a des hôtels qui. Peut-être des hôtels qui ont parlé contre toi. Des hôtels qui ont dit des choses. Que le pas jamais réussi. Que un n'y a pas jamais marché pour lui. Tomber diable au nom de Jésus de Nazareth. Il y a des hôtels qui parlent contre toi. Qui a dit des choses. Qui a prononcé des malédictions. Qui a dit des malheurs. Des hôtels. Sont-elles à partir desquelles, eh bien, échec monde planifié, des hôtels à partir desquels, bénédiction retardée, hôtels à partir desquels, monde pas capable de faire timoun, hôtels à partir desquels, maladie tombée sous monde, hôtels à partir desquels, échec après échec vini, hôtels à partir desquels, on projette ces choses sur la vie des gens. Yes, il y a des hôtels qui parlent contre des gens. Il y a des hôtels qui parlent contre des gens. Et maintenant, ça, ou même, on prend le besoin fait, on prend le besoin apprendre, monter hôtel, pow! Et à partir de tes hôtels, alléluia, on prend apprendre, frapper dans la prière, que tout hôtel satanique qui monte contre moi, que vous capable de craser, alléluia, que tout hôtel à partir desquels mon nom est invoqué, tout hôtel qui prie, qui à partir desquels il y a dit des incantations, tout hôtel à partir desquels il a fait des expéditions, tout hôtel à partir desquels il a essayé marrer grâce, marrer malédiction, marrer bénédiction. Toutes ces hôtels que Dieu fait, mon Dieu, tombe sous eux. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous pouvez l'apprendre, vous n'avez pas besoin de rentrer dans cette dimension de guerre. Yeah. Vous pas besoin. Vous pas besoin. Et on pasteur, vous comprenez ça. Vous pouvez dégager pour tête, vous pouvez gommer pour tête, vous pouvez mener bataille là pour tête. Vous pouvez garder, si vous gardez, où est la vous sorti pour mal passer. Avec tout le potentiel que tu as, avec toute la grâce qui est en toi, avec tout le talent que tu as, les études que tu as faites, et puis ça ne marche. Non, c'est pas vrai, mon cher. Vous avez besoin de rentrer dans la hôtel. C'est hôtel qui a parlé là. Yeah. Et surtout, t'en aimes bien. Surtout, pour nous-mêmes haïtiens, ça me dit d'autant plus important, surtout pour haïtiens, me dire que c'est difficile. Pour joindre un grain haïtien, bon, me dis ça encore. L'est difficile pour joindre un grain haïtien qui pas mon servi dans famille. Et généralement, lorsque on moun dans une famille servi, c'est pas seul moun qui est impliqué, mais c'est tout moun qui connecté à moun nan. Il est important pour comprendre ça. C'est tout ça connecté à moun nan. Lorsque on moun al prend point la caloi, c'est pas seul moun nan qui en a fait, mais c'est tout moun qui connecté à elle. C'est peut-être ça. Ou après, généralement, le moun nan moui, loi qu'on réclame l'autre moun pour continuer de travailler là, pour capable de kembe place li nan liye famille ça. Yes! Donc, il y a des hôtels qui parlent contre nous, contre toi. Et c'est ça qu'il faut après conseiller le moun. Jusqu'à présent, si m'ta dit nous, gen moun qui a dit, passe. Des moun l'église, loi a préclamé.
des monde l'église doit mander pour boko doit mander pour yo mambo tomber diable. Donc ou même qui a vécu une situation comme ça ou pral besoin comprendre la réalité des hôtels. Alléluia. Ou vous me fatiguez. Ou pral besoin comprendre ces réalités là pour comprendre que combat par là les différents de par l'autre monde, gen moun seul ça ou gen pour faire c'est appliquer et étudier, mais ou même en plus d'application ou même en plus d'études, ou pral besoin ajouter un hôtel dans vie ou et à partir de hôtel ça pour combattre force, à partir de hôtel ça pour aïe, à partir de hôtel ça pour mener combat, à partir de hôtel ça pour mener bataille là, à partir de hôtel ça pour mener lutte là, tenez bien, parce que le combat, les fait dans Valéa, mais l'issue est déterminée à partir des montagnes. Oh, t'as dans l'évangile. Combat, ou menel dans Valéa, mais résultat combat, c'est pas dans Valéa, joigne. Attention, papa. Pas qu'il jouette là. Résultat combat, c'est pas pendant la bataille, joigne. Non, mon cher. Résultat combat, c'est avant. Parce que tu joignes ça. Bon, tout rapidement, que tu joignes ça, mon cher. Bon, mon tour comme ça, rapidement. Et rapidement, il m'a montré ça. Et le computer allait rapide. Rapidement, il m'a montré ça. Côté, je viens l'évangile ça. Et ouais, bah, il m'a dit ça. Des fois, où est-ce que les gens bataillent? Et puis tout le monde est gros nègre. Et puis tout le monde est fort. Et puis tout le monde a perdu la bataille. Où est-ce que les gens sont intelligents? L'intelligent qui a étudié et puis tout le monde a réussi. Moun nan gen capacité et puis tout le monde a choix, poser tête aux questions, ça a passé. Attention. Dépendamment de qui combat, mener, examen, c'est pas le ou chita sous devant computer ou réussi. On regarde rapidement dans Exode. Dans Exode chapitre 17. Dans Exode chapitre 17, papa. Non! Bataille à l'imène dans la vallée, à mes combats c'est sous moi, mais l'imène dans la vallée, à mes résultats c'est sous moi que l'obtenu. Dans Exode chapitre 17, où pral joindre côté Israël pral goumer avec les Amalécites. Bon, lis pour rapidement. Exode chapitre 17, où pral joindre côté les Israélites pral en guerre contre les Amalécites. Généralement, ou penser ou même avec la réflexion cartésienne, avec bon logique ou sous, ou penser ça pral ba combat dans valia ses âmes, ça pral ba combat dans valia ses épées, ça pral ba combat dans valia ses expériences, ça pral ba combat dans valia ses stratégies, ça pral ba résultat, victoire dans valia ses compétences. C'est belle. Tenez qui sa Bible a dit. Amalek veut combattre Israël à Refidim. Alors, Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes. Sors et combat Amalek. Combat Amalek. Demain. Ou même descend en bas, bataille avec vous. Et puis tout dit, demain, je me tiendrai. Moi-même, pas de bataille en bas. Il dit, demain, je me tiendrai. Sur le sommet de la colline, la verge de Dieu, alléluia, dans ma main, et puis tout Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Bible a dit, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse, mais ça pral décider comment bataille a fini, qui est-ce qui gagne. Bible a dit comme ça. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Mais comment bagarre là? Mais ça qui a déterminé le combat, c'est la position des mains de Moïse. Les mains de Moïse élevées dans la position d'intercession, dans la position de contact avec Dieu, Israël est fort. Les mains de Moïse sont affaiblies et les mains de Moïse les baissaient et mis en bat Israël. Mais ça qui a décidé. Est-ce que mon levé ou bien est-ce que mon en bas? Qui position met-on? C'est ça qui va décider au combat. Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce qu'on a bon sens pour comprendre ça? Donc, t'en aimes bien. Avec tout bateau, avec toute expérience, avec toute compétence, au café nuit, là, ou pas jambes pour grain de poisson. Amblis, Amdoulala. Avec toute expérience,
avec toute compétence, avec tout le coefficient intellectuel que tu as, ou capable de faire vivre ou pas chambre, ou t'as rien. Et dans le langage, frère Taylor, ou sorti tout ou ni d'un grien. Ou capable de faire vous, par exemple, il y a un bac, ou capable de faire vivre, ou poser tête aux questions. Mais qui est-ce qui m'a aidé? Qui est-ce qui m'a influencé? Quelle a été ma contribution à l'humanité? Zéro! Cela est possible. Avec tout le coefficient intellectuel que tu as. Ou prends le retrait dans la dimension spirituelle. Tenez bien, car c'est le spirituel qui affecte le naturel. Le spirituel domine sur le naturel. Prends le besoin de comprendre ça. Et généralement, il y a un côté où on fait ça à partir des hôtels. Yes. On fait ça à partir des hôtels. OK? Maintenant, et grand pile l'autre cousin était capable de dire, et des fois, oui, des fois, il y a un bagage où on a besoin de faire, ou on a besoin de parler contre hôtel qui a parlé contre tout. Rapidement, Bible dit qu'on s'attend à un hôtel. Oh, ou pas besoin de parler. Écrit pour moi en bas la parler. Écrit pour moi en bas la parler. Écrit pour moi en bas la parler. Bible dit que tu es un serviteur, mon Dieu. Dans 1 roi, on allait rapide. Dans 1 roi, chapitre 13. 1 roi, chapitre 13. Bible dit que tu es un serviteur, mon Dieu. Et puis tu es un roi qui t'es parler de lui à partir d'un hôtel. Attendez ça, 1 roi chapitre 13, bon, lire pour vous. Voici un homme de Dieu de Juda, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait, attendez, oui, Jéroboam se tenait à l'hôtel pour brûler des parfums. Il cria, attendez, oui, il cria, homme de Dieu, il cria contre l'hôtel par la parole de l'Éternel et dit, hôtel, hôtel. Ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi des prêtres, des hauts lieux, qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra. Autel la fende. Et la cendre qui est dessus sera répandue. Oh, Bible a dit comme ça, le roi. Lorsque le roi a entendu la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel, il longe même sous l'autel là en disant « saisissez-le ». Attention, Gémoun, c'est à partir des hôtels qu'on les arrête. Gémoun qui a arrêté, c'est pendant Mounan sous l'autel, il a arrêté. Pendant sous l'autel, il pointe à l'homme et il pique. Attention, bien-aimé. Et la Bible a dit, aïe, 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 il a la main que Jéroboam avait tendue contre lui devint sèche. Moi, déclaré, depuis ses mains qu'il levait sous vous, depuis ses mains qu'il levait sous famille, depuis ses mains qu'il levait sous petit, depuis ses mains qu'il levait sous race, depuis ses mains qu'il levait pour attaquer, qu'il levait pour parler mal contre vous-même, que vous sèche, depuis ses bouches qui a parlé contre vous-même à partir des hôtels, qu'elles deviennent muettes, depuis ses bouches qui a parlé contre vous-même à partir des hôtels, démoniaque des hôtels sataniques, qu'elle devienne muette au nom de Jésus. C'est pour prendre un longé, mais puis essayer de faire geste menaçant. C'est pour mettre au sèche au nom de Jésus. Yes. Parlez contre hôtel. Fan, vous crasez. Vous avez ça. Vous avez pouvoir pour ça. Ok. Maintenant, on allait rapide, nous pas grand-pile temps. Et la miel devant nous là, la miel dans nous là. Maintenant, comment pour dresser l'hôtel. On table, on va prendre une petite table, pas vrai?
en table, il y a en chaise, mais assure que, quel que soit salia, son bagage, il te dit nous ça pendant la semaine, le monde qui prêt, il y a nous qui difficile, il y a nous qui très difficile de comprendre, et nous y a un bagage difficile. Donc, ou bien tabou, ou bien hôtel, ou pas vrai. Sous hôtel, ou bien bibou, on te dit prends bibou, prends livre de chant, ou prends chant d'espérance, email ou ajout chant d'espérance, ou prends sac ou maintenant nous prenons l'opérer. Maintenant, comment on fait ça? Ou bien l'huile. Premier bagaille, t'as dit bien, premier bagaille ou prenons le consacrer, t'as dit bien, premier bagaille ou prenons le consacrer sous hôtel là. Premier bagaille, t'as dit bien, premier bagaille ou prenons le consacrer, ou prenons le consacrer l'huile d'onction. Yes. L'huile d'onction, c'est le premier bagaille ou prenons le consacrer. Et qu'on prie un bras le fait, on prie rapidement de consécration pour capable faire ça. Donc, prends lui l'onction, quel que soit à côté lié, prends lui l'onction, et puis même plutôt de prendre rentrer dans le service ça. Donc, prends lui l'onction, qu'est-ce lui l'onction dans la main, ok? Qu'est-ce lui l'onction dans la main, et puis tout, nous prenons rentrer rapidement dans l'exercice ça. Fais ça, Kounia, et puis tout, mettez les bagages ça là pour me capable frapper moi-même, bon côté pas. Prends lui l'onction rapidement, et puis tout, suivez ça qu'a fait là. Suivre sa cassette là, juste prendre l'onction et de suivre sa cassette là. Pas faire mauvaisant, on allait ou bien tu as supposé gagner l'onction, on y a là, juste prendre l'onction et pour suivre sa cassette là, ok? On avance. Donc, qu'est-ce que l'onction en amène? Qu'est-ce que l'onction en amène? Et puis, pendant l'onction en amène, on va faire prier ça pour être capable de consacrer pendant l'onction déjà en amène. Qu'est-ce que l'onction? Et puis, moi-même, on va le frapper pour dans le nom de Jésus de Nazareth. Et généralement, et nous avons dit en chant, mais nous n'avons pas grand-pile temps, mais seulement lire un texte biblique, et après ça, nous allons prier sous l'onction pour nous capables de consacrer. Nous allons prier dans 1 Timothée chapitre 4, versets 4 et 5, quand il dit « Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Seigneur, tu dis dans ta parole que tout est sanctifié, Seigneur, tu dis dans ta parole, que tout est sanctifié par la prière et par la parole de Dieu. Père très saint, je te présente ces flacons d'huile. Je te prie dans ta grâce de les consacrer à des usages saints. Moi, m'en dis au Père céleste, qu'elle soit que l'huile saillot, qu'elle soit utilisée pour guérir les malades, pour protéger des maisons, pour protéger les maisons, pour protéger les gens. Qu'on soit capable d'utiliser l'huile ça pour briser le joug de la sorcellerie et de l'envoûtement. Qu'on soit capable d'utiliser l'huile ça au Seigneur pour être capable de rendre inactif les œuvres de l'ennemi. Moi, déclarer et me décréter que depuis ses côtés, l'huile ça a appliqué par la foi en Jésus, que la gloire de Dieu se manifeste et que des fardeaux soient ôtés par la puissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus de Nazareth. Moi, déclaré selon Isaïe chapitre 10, verset 27, la graisse de cette huile, c'est que la graisse de cette huile fasse éclater toujours dans le nom de Jésus de Nazareth. Moi, déclaré céleste Père, les rois va motiver peuple pour être capable de renouer à l'huile ça, que yon onction de faveur, yon onction de paix, yon onction de grâce, yon onction de vie reposée sous yon. Et moi, mande yo, que l'huile ça capable de servir et utiliser pour capable consacrer d'autres choses, d'autres objets à toi, selon quoi va diriger peuple pour faire ça, au nom de Jésus qui vit et demeure au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Maintenant, au fin consacrer l'huile, ça me demande de vous faire qu'on y a, on va le consacrer, hein, on va le consacrer au tel ou, yes, on va le consacrer au tel ou. Et maintenant, pour qui raison c'est comme ça au fel, et pour qui raison c'est dans sens ça au fel comme ça, t'as dit bien, au fel comme ça, c'est parce que et Bible a déclaré. Dans Exode chapitre 20, dans Exode chapitre 20, versets 25 et 26, Bible a dit, tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Et puis tout en dit, ce sera l'huile pour l'onction sainte. Et puis tout en dit,
tu enoindras l'attente d'assignation et l'arche du témoignage. Deuxième côté. Donc maintenant, Dieu donne à Moïse l'instruction. Donc l'huile sainte, l'été lui faite en façon, et bon Dieu, bah, Moïse instruction ça. Ou capable d'utiliser, n'entend ça, l'huile d'olive, n'importe l'huile, donc ou guetta recevoir enseignement ça. Maintenant, ou pral joindre Moïse, il pral exécuter ça, bon Dieu te dit, ya, dans Nombre chapitre 7, verset 1er, il dit, lorsque Moïse eut achevé de dresser le tabernacle, attendez, oui, il l'oignit et le sanctifia avec tous ses ustensiles, de même que l'autel avec tous ses ustensiles. T'as dit quoi, moi, oui? Il dit, il les loignit, c'est-à-dire, il met l'huile là sous yo et les sanctifia. On côté le plus clair, dans Lévitique chapitre 8, verset 10, il dit, Moïse prit l'huile d'onction, il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient, il le sanctifia. Yes! Qu'on y a au pral prend l'huile d'onction qui n'en met un, ou pral mettel sous hôtel ou. Okay? Ou pral mettel sous l'hôtel ou. Ou pral passer sous hôtel là. Pas vrai? Ou pral passer sous hôtel là. Ou pral prendre l'huile d'onction. Hein? Ou pral passer sous hôtel là. Mais qui sont pral dit pas nous fait ça. Ou dit, avec cette huile d'onction, je consacre et je dédie cet hôtel à Yahweh, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Yes, avec cette huile d'onction, je consacre et je dédie cet autel à Yahweh, le créateur du ciel et de la terre. Et puis tout le monde dit, Seigneur, espace ça dédié désormais à vous-même. Que chaque fois, m'a va présenter dans ce lieu pour la communion, pour la rencontre, pour l'intimité, pour la guerre spirituelle, que ou capable répondre moi et qu'ou capable exaucer moi, qu'à partir de cette base opérationnelle, des autels démoniaques soient consumés par le feu de l'esprit. Aïe, aïe, aïe. Qu'à partir de cette base opérationnelle, depuis ces paroles qui prononçait sur ma vie, sur la vie de mes enfants, sur la vie de ma famille, depuis ces paroles qui prononçait, yo capable annuler au nom de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Qu'à partir de cette base opérationnelle, autel démoniaque capable détruit, puissance fenoir capable anéantir, âme forgée contre moi capable rendu sans effet au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. C'est. Donc, vous passez l'huile là sous hôtel ou, vous passez l'huile là sous sac ou, yeah. Vous passez l'huile là sous champ d'espérance ou, yes. Pas pour peut-être son champ d'espérance lié qui fait le sanctifier, passez l'huile là sous champ d'espérance ou, passez l'huile là sous email ou anjou, passez l'huile là, alléluia, sous bibou, passez l'huile là sous sac ou, et maintenant, un hôtel qui sanctifié, un hôtel qui dédié à Yahweh, le Dieu créateur. Et puis, pour terminer par une prière de remerciement, au toi qui as créé les mondes invisibles, toi, Dieu tout-puissant et créateur, merci de m'avoir permis de te consacrer ce lieu. Toi qui t'es, ou même qui t'es pris plaisir pour t'es capable de manifester dans le temple de Salomon, prends plaisir tout pour capable manifester dans l'hôtel, ça, dans l'espace, ça, et principalement dans mon cœur. Yes, principalement dans mon cœur. Fais-le, oh Dieu, fais-le. C'est là ma prière. Au nom de Jésus, avec action de grâce. Amen. Maintenant, hôtel ou consacré, papa. Outils ou consacré. Ou bien document. Ou bien façon pour mener bataille là. Dégagez-vous, papa. Et puis tout le monde me remet en bas là. On dit amen, 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 amen. Et qui en bas là, amen, 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 amen. Ou bien document qui consacré, ou bien hôtel qui consacré, ou bien outil qui consacré, ou qu'a frappé Kounia dans le nom de Jésus. Quelques anniversaires rapidement, n'a mentionné. Quelques anniversaires rapidement, n'a mentionné. Et
quelques anniversaires rapidement. On a mentionné, nous avons plusieurs personnes qui ont fêté anniversaire aujourd'hui. Nous avons salué. Nous avons Naëla Régis. Nous avons Grégory Marius. Nous avons Andy Malaika Denis. Nous avons Diana Emma. Et nous avons Edeline Fontaine qui a payé. Et alléluia, qui a fêté anniversaire. Donc, nous saluons nous toutes dans le nom de Jésus. Que bon Dieu capable de bénir nous. Que bon Dieu capable de bénir famille nous. Que bon Dieu capable de faire route ensemble avec nous. Et que bon Dieu capable de prospérer nous. En nous la prière, mes amis. Arriver pour aller gagner et bagarre qui enseigne toujours, mais je pense que dans l'espace ça qui contrôle, je enseigne assez ou bien assez pour mener combat dans le nom de Jésus de Nazareth. En nous prier pour nous capables de terminer. Père Céleste, merci pour le service de ce matin et merci pour grâce que tu fais nous pour nous dans les ensembles. Merci parce que désormais, Jésus rentre là-dedans. Alléluia. Qui désormais, hôtel, bon Dieu vivant. Et moi, je m'en dis que ces portes qui sont ouvertes sur le monde spirituel de Dieu, capables d'accueillir des anges, que des anges capables de monter et descendre dans le cas, que tout esprit fait noir, tout esprit blackout, tout esprit obscurité, capable de chasser par la lumière de ta présence dans ces maisons, et que petit tu es capable de connaître l'autre dimension de vie, la vie abondante. Moi, prier dans un moment ça pour monde ça qui a fêté anniversaire au matin, que grâce soit capable sur la vie, que bénédiction capable reposer sur vous, fait faveur éclairer sur vous au nom de Dieu. Béni ou bien béni, fait pour vous bagaille comme même seul capable faire, si vous avez des prières devant pendant longtemps, répondez-vous sur la richesse de ta grâce, car nous t'avons ainsi prié, demandé tout cela dans le nom puissant, dans le nom tout puissant de Jésus qui vit et demeure avec toi dans l'unité du Saint-Esprit et qui règne au cercle des siècles. Amen, amen et amen. Mes amis, le arrivé, il faut m'aller. Un grand merci à vous tous. Vous avez des documents, vous avez des âmes dans mon papa. Allez, menez le bon combat de la foi. Et soyez victorieux et remportez le brillant de victoire à la gloire de Jésus. Je connais cela. Il est en prêt, oui, là, il est en prêt. Il est capable. Capable de dire, oh, thank you Jesus, thank you Lord. Je connais ça, get up, oui, là, rapidement. Gigi, let's say, oh, rapidement. If the people are ready, let's go. One, two, go. Oh, thank you Jesus, thank you Lord. Amen. Amen, amen. Je connais ça après papa, même si dormi dans Gilles, la bonne, thank you Jesus, thank you Lord. Mes amis, rendez-vous à Cassé pour demain si Dieu veut, demain matin si Dieu veut, et demain soir pour et jeudi, pétez potes, et plutôt vendredi matin, demain si Dieu veut, n'a enseigné comment pour demander bon Dieu pour révéler qui côté dans la vie ou qui en bas attaque, qui côté dans la vie ou bloqué, pour capable débloquer vendredi si Dieu veut, pas oublier n'a la scène, vendredi si Dieu veut, vendredi soir. Et pour tout ce temps, il y a lundi matin, samedi matin, bataille au nom de Jésus. Passons une bonne journée. Bon Dieu bénis. Bon Dieu remercie. Nous remercions tout. Bye bye.